Bonjour. Le chapitre qu'on va traiter aujourd'hui s'intitule Le circuit économique. Ce chapitre, on l'a déjà traité l'année dernière. C'est pour cela que, comme on le voit dans le plan, la première séquence, c'est une séquence de rappel. On va commencer le rappel par une présentation. On s'appuie sur un exercice, bien sûr, pour énoncer les, les notions d'agents économiques, d'opérations et de flux économiques et de marché. La séquence 2 sera pour l'élaboration d'un circuit économique élargi et ouvert ainsi que l'exploitation. La séquence 3, c'est une séquence d'application. Alors présentation au cours d'une année donnée dans une économie simplifiée, les opérations suivantes ont été enregistrées en unité monétaire du pays. Alors on a un tableau qui nous montre huit opérations. La première opération, c'est l'opération de production des entreprises. Cette production, elle est vendue comme bien de consommation finale au ménage, comme bien de production. Les biens de production, il y a une partie qui est exportée vers le reste du monde et l'autre partie, elle est vendue aux entreprises de consommation. La deuxième opération est une opération de versement par les entreprises en ménage de salaires, d'intérêts et de dividendes. La troisième opération, c'est une opération qui consiste en le paiement de prestations sociales aux administrations par les ménages. La quatrième opération consiste en le traitement des fonctionnaires. L'opération 5, c'est le paiement des impôts par les ménages et par les entreprises aux administrations. La cotisation sociale, c'est l'opération 6, elle est versée par les ménages aux administrations. L'opération 7 est une opération d'importation pour les biens de consommation intermédiaire faits par les entreprises et pour les biens de consommation finale faits par les ménages. La dernière opération, c'est une opération d'emprunt contractée par les entreprises auprès des ménages et de l'extérieur. Alors, le travail qui est demandé sur la base de ce tableau, première question, on nous demande de relever les différents secteurs institutionnels du tableau. Alors, on va voir les différentes opérations et dégager les différents secteurs institutionnels. Alors, les secteurs institutionnels qui figuraient dans le tableau, on avait les sociétés non financières, bien sûr, qui nous faisaient la production. On avait les ménages qui avaient consommé, versé les impôts, etc. On avait l'administration qui avait donné les prestations sociales, qui avait donné les traitements, et on avait le reste du monde avec lequel on avait échangé des opérations d'importation et d'exportation. Alors, la question 2, quel est l'agent économique qui ne figurait pas dans ce tableau Bien sûr, l'agent économique qui ne figure pas dans le tableau, si on revoit le tableau, on avait la production, on avait. Les versements de salaires, les prestations, les traitements, l'impôt, cotisation, import, emprunt auprès des ménages et de l'extérieur. Donc, l'agent qui ne figurait pas dans le tableau, c'est bien sûr les institutions financières. Alors, la question 3, indiquée dans le tableau ci-dessous, les opérations sur biens et services, les opérations de répartition et les opérations financières. On revient au tableau pour voir les différentes opérations. Je prends l'opération 1, c'est une opération de production. Qu'est-ce qu'on produit On produit bien sûr soit des biens, soit des services. Donc, c'est une opération sur biens et services. L'opération 2, vous avez versement par les entreprises de salaires et de dividendes. Donc, c'est une opération de répartition, comme on l'a vu dans le programme l'année dernière de répartition. Pour l'opération 3, prestations sociales. Là aussi, c'est une opération de répartition. L'opération 4, le paiement des traitements des fonctionnaires, bien sûr c'est en contrepartie du travail et donc c'est une opération de répartition. L'opération 5, c'est le paiement d'impôts et c'est aussi opération de répartition. Bien sûr comme on l'a vu l'année dernière, c'est la répartition primaire. Et puis la cotisation sociale, la cotisation sociale c'est aussi une opération de répartition. L'opération 7, c'est l'opération d'importation. Alors qu'est-ce qu'on importe Là aussi on importe soit un bien, soit un service. Donc c'est une opération sur biens et services. La dernière opération, c'est une opération d'emprunt. Alors on emprunte quoi On emprunte de l'argent. Donc c'est une opération financière. Alors, on va récapituler les réponses sur le tableau suivant. Alors les opérations sur biens et services, c'est l'opération 1 et 7 les opérations de répartition c'est l'opération 2 3 4 5 et 6 et enfin il y avait une seule opération financière c'était l'opération 8. Alors la question 4 Complétez le schéma suivant en représentant par des flèches les opérations de répartition en distinguant par deux couleurs différentes les flux monétaires et les flux réels en indiquant la valeur de chaque flux. Alors on a euh, le marché du travail, on a les ménages et on a les administrations publiques. Alors d'après les opérations de répartition, c'était l'opération 2, 3, 4, 5 et 6, on va les présenter sur ce schéma. Alors on a les ménages, ils payent les, les impôts et les cotisations sociales aux administrations. Vous avez l'impôt 107 plus la cotisation de 127. On a donc l'administration publique qui paye les prestations au ménage, 238. On a le ménage qui offre sa force de travail au marché du travail et qui est bien sûr euh, acheté par les administrations publiques. Et enfin l'administration publique, il paye les traitements au ménage, c'est-à-dire à ses fonctionnaires, 176. Donc sur ce schéma, les flux... En rouge, ce sont les flux monétaires et les flux qui sont en noir sont les flux physiques ou bien les flux réels. La question 5, identifier en complétant le tableau ci-dessous les différents marchés sur lesquels sont réalisées les opérations faites par cette économie. Alors, on revient à nos différentes opérations. L'opération 1 était une opération de production. Donc, l'opération 1, qui était une opération de production, va être effectuée sur le marché de biens et de services. L'opération 2, c'était le paiement des salaires. Alors, le paiement des salaires se fait sur le marché du travail. Donc, on vient, vous, avez, vous venez de voir euh, dans la séance dernière, le chapitre euh, les marchés. On a étudié les marchés. Donc là, on est en train de rappeler cette notion des marchés. Alors le paiement des dividendes et d'intérêts se fait sur le marché bien sûr de capitaux. Pour l'opération 3, on a c'était le paiement de, de, de l'impôt. L'impôt ne transite pas par le marché. L'opération 4, c'était le paiement des traitements. Le traitement se paye sur le marché de travail. L'opération 5, c'était les cotisations. Social. Alors les cotisations sociales aussi ne transitent par aucun marché parce qu'ils ne sont pas le contrepartie ni de travail ni de bien. Alors l'opération 6, on a les prestations sociales, la même chose, ce sont des opérations qui sont sans contrepartie directe et donc ils ne transitent pas par le marché. L'opération 7, c'était une opération d'importation. Alors on importe un bien ou un service bien sûr sur le marché de biens et des services. Et la dernière opération, donc l'opération c'était l'emprunt. L'emprunt, il est contracté sur le marché de capitaux, plus précisément sur le marché financier. Donc, exploitation, on va donc euh, prendre comme conclusion euh, les notions déjà citées dans l'exercice. Paragraphe 1, les agents économiques. Alors, Qu'est-ce qu'un agent économique d'après la comptabilité nationale Alors, un agent économique ou bien un élément de, de, de l'agent économique s'appelle l'unité institutionnelle. C'est la cellule la plus élémentaire du secteur institutionnel. Alors, qu'est-ce qu'un secteur institutionnel Le secteur institutionnel, c'est ce qu'on avait intitulé l'année dernière, l'agent économique. Alors, dans l'optique de la comptabilité nationale, on l'appelle... Dans l'optique de la comptabilité nationale, on l'appelle secteur institutionnel. Il regroupe l'ensemble des unités institutionnelles ayant la même fonction économique principale. Alors, les catégories d'agents économiques qu'on a déjà vues dans l'exercice. Alors, le comptable national distingue cinq catégories de secteurs institutionnels. Alors, d'abord, les ménages. Alors, la catégorie des ménages dans la comptabilité nationale, il comprend les entrepreneurs individuels et les institutions privées sans but lucratif. Bien sûr, ils n'ont pas la même fonction principale que le ménage, mais par commodité, le comptable national les met ici parce qu'il y a difficulté de les suivre de manière comptable. Alors, le deuxième secteur institutionnel c'est les sociétés non financières, qu'on intitule couramment les entreprises. Le troisième, c'est les sociétés financières. Le quatrième secteur, c'est l'administration publique. Alors, remarque, les unités institutionnelles résidentes à l'intérieur du pays entretiennent des opérations économiques avec les unités non résidentes. Ces derniers, c'est-à-dire les unités non résidentes, sont regroupés dans un secteur qu'on appelle le reste du monde. Alors, paragraphe 2, les opérations et les flux économiques. Alors, on va commencer par les flux. Alors, qu'est-ce qu'un flux économique En principe, chaque opération se traduit par deux flux. Alors, les deux flux, par exemple, on a les flux réels. Le flux réel, c'est quoi C'est un mouvement de biens ou de services. Exemple, production de 1000 tonnes de blé. Alors ça, c'est un flux qui est de biens et c'est un flux physique. Donc c'est un flux qu'on appellera réel. Le deuxième flux, c'est le flux monétaire. C'est-à-dire, c'est la contrepartie de ce flux. Le paiement qu'on donne pour avoir les, le 1000 tonnes de blé. Alors si je reviens à l'exercice précédent, on avait vu des flux réels et des flux monétaires si vous vous rappelez. Alors les flux réels étaient en noir, les flux monétaires étaient en rouge. Alors les opérations économiques, le comptable national là aussi distingue trois types d'opérations comme on l'a vu dans l'exercice. Les opérations sur biens et services les opérations de répartition et les opérations financières. Alors, les opérations sur biens et services décrivent l'origine et la destination des biens et des services. Alors, ce qu'on appelle l'offre, elle est présentée en ressources et la demande, elle est présentée en emploi. Les opérations sur biens et services peuvent être résumées dans l'équation qui suit. J'ai en ressources... La production, bien sûr, la production nationale, qui complétait le cas échéant, en cas de besoin, par l'importation. Et donc j'ai en ressources production plus importation qui est égale en emploi, c'est-à-dire comment est employé ces ressources, en consommation intermédiaire plus la consommation finale plus la formation brute du capital fixe et la variation du stock, qui nous donne l'investissement et le reste est exporté vers l'extérieur. Les opérations de répartition sont les transferts de revenus d'un agent vers un autre agent. L'année dernière, on a vu cela dans un chapitre qu'on a intitulé La répartition primaire et la répartition secondaire. Les dernières opérations, ce sont les opérations financières. Les opérations financières recouvrent l'ensemble des relations entre agents qui ont des capacités de financement et les agents qui ont des besoins de financement. Donc l'agent qui a une capacité de financement effectue des placements, l'agent qui a un besoin de financement va emprunter. Alors le paragraphe 3, les marchés. Les marchés, comme on vient de le voir dans le chapitre marché, donc il y a trois types de marchés. Il y a le marché de biens et services, il y a le marché de travail et il y a le marché des capitaux. Alors, l'élaboration d'un circuit économique. Alors, dans une économie capitaliste, la plupart des relations économiques qui se nouent entre les agents transitent par les marchés. Alors, on a vu tout à l'heure les différents agents qu'on a rappelés on a vu les différents marchés. Alors, il y a une relation entre les agents qui s'effectue sur les marchés. C'est pour ça qu'on parle alors d'économie de marché. Pour simplifier dans ce qui suit, on ne considérera que qu'un seul marché, le marché de biens et de services. Mais bien sûr, ne perdez pas de vue qu'il y a les autres marchés. Alors, le marché des biens et des services, on rentre sur ce marché en relation avec les ménages. Les ménages y déposent leur demande de consommation finale et bien sûr, le marché va répondre à cette demande. Alors, pour que le marché répond à cette demande, il faut bien sûr trouver une entreprise qui va fournir ses biens et ses services. Alors l'entreprise va lancer sa production sur le marché de biens et services et il va recevoir par la suite les recettes des ventes. Alors pour faire sa production, l'entreprise a besoin de, de biens de consommation intermédiaire de matières premières, il a besoin de machines et donc d'investissements, donc elle doit elle aussi se procurer sur le marché. Donc l'entreprise va adresser au marché une demande de biens de consommation intermédiaire, elle va adresser au ménage une demande de la force de travail et il va payer des salaires, il va adresser donc au marché une demande de biens d'investissement. Alors l'activité économique des ménages et des entreprises génère des revenus qui sont en partie prélevés par les administrations publiques. Alors l'administration publique va recevoir l'impôt et les cotisations sociales des ménages. Elle va recevoir l'impôt et les cotisations sociales des entreprises. Les prélèvements effectués par les administrations publiques vont servir pour financer la production des biens et des services non marchands. Exemple, les donc les écoles, la police, la justice, etc. Donc, l'administration publique va fournir des biens et services non marchands aux ménages. Elle va fournir des biens et services non marchands aux entreprises. Elle va fournir aussi des revenus de transfert aux ménages. Alors la plupart des échanges utilisant l'intermédiaire de la monnaie, les institutions financières auront pour fonction d'assurer la production de la monnaie ainsi que sa circulation. Donc les institutions financières vont fournir au ménage, donc vont lui permettre de placer son épargne et de donner des crédits. Les institutions financières vont permettre à l'entreprise d'épargner son argent et de demander des crédits. Enfin, l'économie marocaine est largement ouverte sur l'extérieur, qui est le reste du monde, et avec lequel on va entretenir des relations d'export et des relations d'import, à travers le marché bien sûr des biens et des services. Alors, ce circuit économique, comme on vient le voir, est loin d'être complet. D'autres relations existent entre les agents économiques. Toutefois, celles qui y figurent ici sont les plus importantes. Alors, l'exploitation, notion de circuit économique. Qu'est-ce qu'un circuit économique Alors, le circuit, c'est une représentation simplifiée de l'économie nationale, montrant l'interdépendance des différents agents économiques au stade de la production des revenus et de la dépense les mouvements de produits de biens et des services ou d'argent qui transitent entre les agents économiques sont appelés flux physiques ou financiers leur petit b circuit par agent et par marché alors le circuit que nous avons devant nous est un circuit plus global puisqu'il intègre les deux autres marchés le marché de capitaux et le marché de travail ainsi en plus que le marché de biens et de services. Notre leçon est terminée, chers élèves, avec ce circuit complet qui demande une petite méditation pour voir les différentes relations qui existent entre les différents agents économiques et les trois marchés.